Salut tout le monde, c'est Yann Sierra. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Let's Play sur Planet Coaster. Je lance donc la partie. Et avec ceci donc le générique. Voici, nous c'est voilà, nous étions arrêtés, c'est-à-dire, à la continuation de ce hangar à avion hélicoptère qui sert justement de décoration pour l'attraction Flying People, l'attraction qui permet justement de faire envoler des gens dans des sortes de trucs, des trucs en carton, on va dire, parce que techniquement, ça, franchement, qu'on se le dise, c'est clairement des trucs en carton, ça. Non, je plaisante bien entendu. Bref, on a fait juste du coup la fresque qui est à l'extérieur, qui fait une publicité pour l'attraction. Si je clique sur modifier avec le truc, voilà, il a bien sélectionné normalement Flying People, qui est le nom justement de l'attraction. Mais voilà, ça reste toujours vide à l'intérieur, ça reste toujours vide. Il faut encore une fois de plus y ajouter justement des avions, des hélicoptères, et je pense que justement en tant qu'environnement on n'a pas vraiment grand chose en termes d'avions, d'hélicoptères. Si je tape, par contre c'est énormissime, voilà, je préfère quand c'est tout petit. Quand je tape par exemple avion, y a rien, on est d'accord. Et si je vais même chercher d'ailleurs, parce que il me semble qu'il y a dans un pack de contenu, le pack aventure, si je cherche des trucs d'avion, alors c'est biplane, d'accord. Ah mais il y a un biplane en entier. Ah bah voilà, bon bah on a juste un biplane, c'est tout, on a juste un biplane, mais on n'a pas d'autres avions, en fait on n'a pas d'avion normal, donc du coup ça sera un biplane. On va peut-être enlever la rotation d'angle sélectionnée que j'avais laissé, me semble-t-il, pour certains bâtiments. Donc voilà, un biplane, voilà, qui est quand même bossé au sol. Et alignement à la surface aussi, on va l'enlever. Bon, là maintenant ça veut rien dire. Le positionnement de cet avion ne veut absolument rien dire. Et voilà, on va mettre un avion comme ceci. Et est-ce qu'on mettrait pas un deuxième avion? Tiens, un deuxième avion. Hop. Avec une autre couleur. Mais bon, franchement, je prends des couleurs au pif. Franchement, là, ça fait des vraiment... Attends. Je viens de prendre au pif la couleur, on dirait la couleur de l'avion de Capitaine Baloo. Vous savez, le dessin animé où on prend le personnage du livre de la jungle pour un pilote d'avion, là. Bref, du coup, voilà, un autre avion ici. Voilà, ça fait une décoration superbe, magnifique et formidable. Question, est-ce qu'on pourrait pas aussi prendre cet hélico? Non, sans celui-ci, voilà. Et avec, si possible, sa palme. Non, je veux... Ah! Non, je veux ça, sans celui-ci. Sans le manège, parce que je compte en fait faire une copie. Ou bien je fusionne les environnements. Voilà, je fusionne les environnements pour faire une copie. Copie de cet hélico ici, et donc on va lui changer justement la couleur. Voilà, parce que le... Voilà, modifier le groupe de l'environnement. Hop. Je sélectionne du coup le corps. J'ai dit je sélectionne le corps. Ah mais dites donc, permettez-moi de sélectionner le corps. Voilà, merci. Merde. Donc on va le mettre entièrement en rouge. Voilà. Tout simplement. En rouge. Il faudrait aussi qu'on mette un petit truc, un petit endroit avec des casques. Vraiment pour faire style comme quoi les... Parce que c'est vrai que les murs, côté mur, c'est plat, côté mur, il n'y a pas grand chose. Côté mur, faudrait qu'on mette des cadres, en fait, des photos. Il faut que je cherche des photos, en fait, sur internet, des photos, des images d'avions. Et que je mette des cadres, en fait, en prenant des panneaux, normalement. Si je tape panneau, non, c'est pas là-dedans. C'est où déjà?
Alors déjà, c'est pas dans bâtiment, c'est dans environnement, ça c'est sûr, c'est dans écran. Voilà, si je cherche des écrans, j'enlève le filtre aventure. Voilà, si je prends ces panneaux-là, en fait, qui me serviront en fait juste d'afficher les... Voilà. Bon, à la place, je vais afficher de la pub. Ce qui n'est pas très logique, mais voilà, je mettrai des trucs comme ça, en fait. Et j'afficherai des... Tiens, j'avais pas laissé un truc genre... Bah oui, voilà. Bon, ça c'est normalement... Voilà, c'est normalement ce qui était censé être pour les fusées que j'avais fait dans un parc en mode créatif, dont je n'ai pas repris depuis. Mais voilà, faut imaginer que maintenant c'est les cockpits intérieurs des avions et des... Hein ? Il faudrait juste qu'on trouve... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, ça c'est rien. Ok, des trucs en rapport avec des voitures, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, non, j'ai pas d'autres. J'ai rien. Non, franchement, il faut que je trouve, il faut que je cherche des images, un petit peu d'avion et tout ça que je trouve, que je cherche et que je mette, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et voilà, ça sera décoration, images et tout ça. Ce que j'avais prévu aussi, est-ce qu'on l'a déjà? Est-ce que c'est pas un truc qu'il faudrait rechercher? D'ailleurs, en parlant de recherche, parce que maintenant qu'on a de l'argent à foison, grâce à il y a deux épisodes à cela, du fait que j'ai changé de PC qui me permet d'avoir plus de monde, et qui dit me permet d'avoir plus de monde, permet aussi, du coup, bah tiens, je peux repousser les intérêts. Ah, du coup, de faire des recherches. Montagne russe, mon empire pour un looping. Est-ce qu'on chercherait pas plutôt un thème? On n'a pas un thème. Marque commerciale, Looney Balloon. Non. Boutique et service, attraction, montagne russe. On n'a pas de thème, désolé. Bon, on va faire une recherche pour un montagne russe. Tiens, on va même faire une deuxième. Non, on va juste faire une seule recherche. Voilà. Et ce que je chercherai justement, c'est dans environnement, dans un thème particulièrement futuriste. Ils ont normalement un truc avec des casques. Où est-ce que ça se trouve? Ou les... Là, voilà, rangée de casques, voilà. Qui sont en fait, on fait croire que c'est des casques de... Des casques en fait de pilote d'avion plutôt que de pilote de vaisseau. Voilà, tout simplement. On va le mettre ici. Hop. Que ça fasse un petit peu hangar. On va mettre aussi peut-être des droïdes réparateurs. Ça n'a aucun sens. On invite le futur dans le présent. Ah bah oui, que voulez-vous. En même temps... Retour vers le futur a annoncé qu'en 2020 ou 2021, on devrait avoir normalement des skates sans roues. On n'a toujours pas nos skateboards sans roues. Et nos voitures sans roues aussi. Un truc comme ça. Voilà, et le droïde, par contre, lui, il va bouger. Lui, il va bouger, le droïde. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Ah, on n'avait pas dit qu'on ferait aussi une tour. On la fera après. La tour de contrôle. Il faut qu'on mette une tour de contrôle, effectivement, dessus. Des tuyaux de ventilation, parce que dans un hangar à avion, c'est toujours... c'est un peu dégueulasse, on va dire. Non, je plaisante. Les hangars à avion sont propres, mais disons qu'on a toujours cette manière, en fait, que ça a l'air brigolé, en fait. Voilà. Tout simplement. Magnifique, ma jolie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore pour décorer cet intérieur? Franchement, j'ai vraiment pas d'idée. Hein. Je commence à être à court d'idées. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que quand t'es super créatif... Enfin, voilà, moi, en fait, en début de jeu, j'ai toujours une créativité. Mais au fur et à mesure que j'avance dans une construction, la créativité, elle diminue. C'est comme si, en fait, j'avais déjà tout, mais absolument tout, explorer du potentiel créatif que je pouvais avoir sur ce jeu, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai encore peut-être pas mal de choses à découvrir. Tiens, une idée. C'est de faire ceci et de prendre dans environnement, dans les écrans futuristes. On va l'enlever.
prendre un grand écran, mais vraiment un tout grand écran. Il n'y a pas un écran de 8 mètres normalement, je crois que je... Si, voilà. 8 mètres. Hop. 8 mètres. Et lui, par contre, ça va être un sorte de briefing vidéo. Donc on va prendre dans les vidéos. On va chercher... On va prendre une des pubs. Voilà. Space exploration, non. Spooky tour, temple de ruine, non. Bah, Foxy Coffee, alors. Foxy Coffee. Fais voir ce que ça donne. Voilà. Pub pour du café. Et écrit en planco, d'ailleurs. Voilà. Tout simplement. Foxy Coffee. Voilà. Ah, punaise, j'ai 700$. Je crois que j'ai vachement dépensé, hein. J'ai vachement dépensé sans compter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, putain, ça traverse. Ça traverse. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Tiens, je vais même mettre un panneau entrée écrit en planco, bien entendu. En planco, on écrit entrée. Alors planco, c'est le langage en fait utilisé par enfin créé par les développeurs du jeu qui caractérise. C'est un peu comme dans les Sims. Les Sims parlent une certaine langue. Ben, sur Planet Coaster, ils parlent le planco. Voilà. Qui est aussi la langue de Planet Zoo, d'ailleurs. On va peut-être changer la couleur. On va mettre du jaune avec des contours noirs. Voilà. Parce que ça correspond bien avec, justement, le... Enfin, la thématique de ce hangar. On mettrait pas des fenêtres aussi à ce hangar. Tiens, on va faire ça. On va mettre des fenêtres. Tant qu'on a encore très peu d'argent, mais on a encore de l'argent. Voilà, donc tant qu'on a encore très peu d'argent, on va mettre des fenêtres. Mais quel genre de fenêtres? Alors, peut-être pas des vitres, parce que les vitres, voilà, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il faudrait, surtout, c'est des fenêtres, mais des fenêtres... un peu type comme ceci. Ah non, ça c'est une porte. Bon, allez, attends, on va sélectionner les fenêtres. Un petit peu comme celui-ci. Mais mis comme ça, en fait. Il faudrait qu'on le fasse de chaque côté. Donc, hop. Il faudrait qu'on... Sinon, au pire... Est-ce que on a un sorte de décalage? Pas du tout. Au pire, ce que je fais, je vais déjà en mettre comme ceci. Voilà. Parce que sinon, ça va... Ça va pas le faire, donc normalement si j'ai bien vu, si je mets là, ça devrait aller. On va aussi en mettre ici, même si du coup t'as l'arbre qui va déranger. Voilà. Quelque chose comme ceci. Donc, du coup, déplacement complexe, hop. Avec l'angle pour être sûr que ça fasse un demi-tour complet sans que ça gâche un petit peu le truc. Voilà. D'ailleurs même... Ah quoi que non, ils sont pas... Comment dire? Ils sont pas mis de manière parallèle, donc je pourrais pas tenter de faire de tous les sélectionner, je suis obligé de les faire un par un. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des trucs qui sont symétriques hein, dans la vie. Faut arrêter de penser tout le temps comme Bob Lennon dit que la symétrie c'est beau. Non, non. Des fois, ne pas faire des trucs symétriques, c'est classe aussi. Pas faire un truc toujours le même pattern quoi. Faut arrêter les conneries. Faire des trucs qui vont nulle part, ça marche aussi. Voilà. Pensez ici, ça marche dans tous les jeux de construction, que ce soit Minecraft, Lego, Minecraft, Lego, Planet Zoo aussi, dans quoi d'autre? Dans plein de choses en fait, voilà. Donc du coup, je fais des fenêtres de l'autre côté pour être sûr, en fait, qu'on ait des fenêtres, qu'on voit bien que le bâtiment a des fenêtres. Voilà, parce que sinon... Non, je
voulez. Hop, le déplacement complexe. Je vais vider toutes mes économies sur des fenêtres. Non, je pense pas vider toutes mes économies sur des fenêtres non plus, mais... Voilà, je vais... J'ai fait le con. À votre avis, pourquoi j'ai fait con? Ah bah c'est bon, je peux le sélectionner. C'est très bien, ouf. J'ai pas fait le con. Voilà. Allez, voilà. Voilà, comme ça, hop. Déplacement complexe. On le sort du mur, de l'autre côté. Là, ça va être difficile parce qu'il y a un arbre qui va nous faire chier. Et qui est le con qui a mis cet arbre ici? Ah oui, merde, c'est moi. J'avais complètement oublié que j'avais mis un arbre ici. Mais en même temps, c'était pour décorer le restaurant... restaurant américain, le dinner américain. Tout simplement. Donc... Voilà. Comme ceci. Comme ceci, comme cela. On tourne. On prend les flèches. On la déplace à l'extérieur du mur. On valide. Ça coûte quand même 10$ ce truc. La vache, 10$ la fenêtre. En même temps, je pense que les vraies fenêtres, ça coûte encore plus cher. Genre 400 balles. Allez, 10$. Et il reste la face avant. Voilà. Comme ceci, hop. Comme cela, hop. Ensuite, on prend celui-là. On tourne. On avance. On valide. On prend celui-là. On copie, on tourne. On avance. Et on valide. Et voilà. Et quitte, même si en fait derrière, en fait, t'as un écran pour qu'il y ait de la cohérence du côté extérieur. Voilà. Voilà. Bon, bah là, on a mis des fenêtres. Qu'est-ce que ça donne si je laisse le temps avancer niveau prestige? Parce que du coup, j'imagine, voilà, l'environnement est quand même à 100%. Prestige, 480. Oh, t'en fous, fou. En fait, pour que le prestige, que la note du prestige se mette à jour, il faut que le parc reconnu. Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a le système de vieillissement. Du coup, après, au bout d'un moment, cette attraction... Ah non, ça va. Il va pas être... Et les visiteurs ne sont plus prêts à payer un surcoût. Ah ! Bah, de toute façon, ils sont payés 10$, alors défi... Oh ! On a terminé, punaise, et depuis le temps, sur ce let's play, qu'on n'a pas fait de défi. Un petit bénéfice mensuel de 1500$ avec les boutiques et services. La vache. Depuis le temps qu'on n'a pas fait de... Ah mais qu'on n'a pas réussi de défi. Ça fait combien d'épisodes d'ailleurs? Ça fait énormément d'épisodes qu'on n'a pas réussi un défi sur Planet Coaster. Franchement, comparé à Planet Zoo où on réussit à faire les défis un par un. Mais non, là c'est Planet... Planet Coaster, c'est vrai que... Ce parc est vraiment une affaire. Donc voilà, il pense, même à 10$, il pense que c'est une affaire. Et oh, 12$. On va voir ce qu'ils disent à 12$. Et oui, franchement... Franchement, on n'est plus en banqueroute. Maintenant que j'ai un PC qui peut faire accueillir énormément de monde. Regardez. J'ai plus de problème d'argent. J'ai plus de problème d'argent et j'imagine côté finance. On peut déjà rembourser ça. Terminé. On peut déjà rembourser. En fait, on peut déjà rembourser tous nos empreintes. Et pourquoi pas penser à... Bah déjà régler ce problème de sécurité parce que 6 voleurs d'un crime. Plusieurs vols ont été signalés.
Ah oui, faut vraiment que je mette des caméras de sécurité un petit peu partout en fait. Et plus d'agents de sécurité aussi. Plus d'agents de sécurité, des caméras de sécurité partout. Et d'ailleurs, je suis sûr, est-ce que par hasard notre cher Bob le bricoleur, il peut intervenir si je regarde son affectation. Son affectation. J'ai les affectations. Alors, 5 attractions. On en a combien en tout des attractions? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon. C'est bon. Ah non, quoique. 1, 2, 3. Ah si, c'est bon, 5. On en a bien 5. Est-ce qu'on a que 5 attractions dans notre parc? C'est vachement un petit parc, hein. C'est vachement un petit parc. D'ailleurs, il me semble qu'on n'a pas fait de marketing. Ouais, on n'a pas fait de marketing. Comme on a un petit parc. Petite campagne avec des vidéos virales, voilà. Pendant un mois. Un mois et après les gens ils peuvent venir. Bon, et ben écoutez, moi cet épisode je vais m'arrêter là. Si en tout cas cet épisode pour vous vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la commenter, la partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. C'était Yann STR. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.